Ben si, en fait, parce qu'il faut gérer. Hein, quand, à la dernière minute, sans prévenir, comme ça, c'est un peu chaud, hein, Bernie, hein? Niveau sécu, assurance, tout ça, c'est un peu... cheesy. Hein? Cheesy? Non, pas vraiment. Non, non. Non. Avec Omar, il y a une qualité à l'écran qui donne tout de suite envie d'être son ami. Puis tu comprends que c'est un vrai gentil. Puis je dis ça en toute humilité, mais chez nous, je reçois souvent ce commentaire-là aussi. Tu sais, toi, on a envie d'aller prendre une bière avec toi, on te voit à l'écran, tout ça. Je n'avais qu'une envie pendant tout le tournage, c'était devenir le meilleur pote d'Omar Sy et Antoine Bertrand. Voilà, c'est simple. Ces deux mecs, je les ai adorés. Ça m'inquiétait pas trop, le fait d'avoir une chimie avec lui, même si on se connaissait pas. Ça s'est concrétisé hyper rapidement. C'est un mec qui adore rire, qui adore faire rire aussi. C'est une bombe de mec, quoi. Et c'est le partenaire idéal parce que on s'écoute dans le jeu. On est vraiment ensemble quand on joue les scènes. Et en plus, il y a un amour de mec. Attends, je me break. Allons, une petite répète et après, on tourne ça. Arrête avec ça. Elle est restée à la maison parce que... Indépendamment l'un de l'autre, ils sont généreux, drôles, sensibles et ils regardent, ils écoutent vraiment les gens. Et ensemble, ça devient deux gamins, quoi. Ça devient deux gosses qui se font un concours de celui qui va être le plus drôle. Donc c'est une alchimie parfaite pour un metteur en scène. Puis la chimie, je pense, ça se passe même si physiquement on est complètement... aux antipodes, tu sais, lui, c'est l'athlète, c'est le beau gosse, tout ça, trésor d'Afrique, tu sais. Moi, je suis un peu restant de fond de cour de la ruelle de Montréal, pas très physique, un peu ingrat, tout ça, mais à l'écran, ça marche. Puis dans la vie, ça marche aussi. C'était super jouissif parce que c'est des personnes qui s'aiment en dehors du tournage, qui ont envie de déconner toute la journée ensemble en dehors du tournage, forcément. Quand ils se mettent à tourner ensemble, bah, y a quelque chose qui se passe. Mais je crois que ce film-là, il va nous faire du bien, en tout cas dans nos vies à tous. Il va, voilà, il nous aura modifié un tout petit peu. J'ai de la chance d'avoir travaillé avec eux parce que ce sont de grands acteurs sur une gamme une palette de jeux assez grande en plus. Mais c'est pas le plus important. Moi, le plus important, c'est que j'ai rencontré deux gars que j'aime. Le déconcentre pas trop, le pauvre. Là, justement, le déconcentre pas.